climat dans le monde, ça m'évoque la déforestation, la fonte des glaces. Moi, dans tout ça, je suis vraiment inquiet. Là, l'été que l'on a passé, moi, je dis que c'était horrible. Moi, j'en ai perdu un peu le moral parce que, avec la chaleur, enfermé tous les après-midi, pas pouvoir faire ce qu'on voulait. Avant, j'habitais à Wenzhou, en Chine. Ici, on a l'air super, très pur aussi. On a la température idéale pour vivre. Et plus en plus, ici, on perdait la neige. C'est un peu triste. Qui vous dit que l'année prochaine, on aura un été similaire? Je pense qu'on nous met beaucoup tout sur l'activité humaine. On culpabilise les gens. Ce qui me vient tout de suite en tête, la Coupe du Monde au Qatar, Dubaï, où les rues sont climatisées, la France, où on met l'essence beaucoup moins chère au lieu de faire les transports en commun gratos. Ça me fait réfléchir sur mes habitudes. Soit on choisit de changer nos habitudes et d'être contraint un peu, soit c'est plus tard où on va subir en fait des choses qui vont nous contraindre beaucoup plus. Là, si on va se prendre un mur, le truc, c'est est-ce qu'on prend le temps de freiner avant. Pour moi, c'est un rapport avec la surpopulation et l'arrivée massive des gens tous les ans sur Annecy. On a vu des petites maisons typiques qui ont été démolies et à la place, ils ont construit des immeubles. Établir des sortes de parking relais un peu dans chaque entrée de la ville et de là, bah, des bus, des trams ou quelque chose pour nous emmener sur notre lieu de travail. J'habite à Villaz. J'aimerais bien aller à Annecy. Par exemple, des pistes cyclables jusqu'ici, ce serait vraiment pas mal. Ça pourrait changer ma vie parce que je pourrais devenir plus autonome en plus. Le gaspillage alimentaire. J'ai travaillé 20 ans en cuisine collective. De voir les plats sortir du four et être balancés à la poubelle. Pour le climat, je peux vous dire que le pain aussi, on n'est pas obligé de le jeter. Hein. On peut en faire un pudding. Il faut essayer, hein, c'est très bon. Il faudrait que tout ce qui est bio soit en fait la norme et pas l'inverse. Acheter bio, se laver bio, respirer bio, avoir une voiture électrique. Il faut vraiment avoir de l'argent pour être écologique et c'est pas être écolo et c'est pas donné à tout le monde. Il faudrait un jour ou l'autre se dire qu'il faut arrêter de prendre des pseudo-décisions et y aller, quoi. On a besoin que nos enfants respirent, on a besoin que nos enfants aient une vraie vie, on a besoin que nos enfants retrouvent cette qualité de vie. Je suis convaincue que mettez les mesures en place, vous serez en plus réélu et suivi. N'ayez pas peur de ne pas être réélu. Bonjour Grand Annecy. Le climat, c'est maintenant que ça se joue. Quand je vois le temps que ça met à mettre en place des mesures. L'écologie, c'est plutôt mondial. La Chine, l'Afrique, ils veulent tous vivre comme un Américain ou un Européen. Donc, ils ne vont pas s'arrêter. Pourquoi pas inventer un péage? Après, c'est juste un choix politique. C'est clair. Une voiture, elle a 5 places. Quelqu'un qui monte tout seul dedans, 4 places de libre, il paye 4 euros. Mmh. Celui qui monte, quelle voiture 5 places? Ils sont 5 dedans, ils ne payent pas. Moi, j'ai essayé à un moment donné de me dire je ne vais pas prendre ma voiture pour aller travailler. Il faut prendre le vélo ou il faut prendre le bus. Mais rien n'est fin, rien n'est suffisamment fait pour qu'on le fasse. Aller à Annecy en vélo, c'est prendre une carte pour l'hôpital. Moi, j'aimerais que le Grand Annecy mette en avant le transport collectif d'entreprise. Je dirais même que ça peut être un moteur pour les entreprises, pour fidéliser leur personnel, parce qu'aujourd'hui, pour trouver du personnel, c'est pas simple. J'ai des amis, mais ils lavent 4 fois leur voiture. Bon, j'ai beau leur dire, ça m'énerve. Vous établissez une famille, elle doit dépenser tant de mètres cubes d'eau, je sais pas. Si on voit que les gens gaspillent, bah, un malus, je suis désolée, et un bonus. Dans la vidéo, il y avait une dame qui disait, bah, maintenant, je débranche mes prises qui ne servent à rien la journée. Et du coup, je me dirais, bah, pourquoi pas mettre en place un petit guide de bonnes pratiques, parce que c'est des choses qu'on peut tous faire, mais qu'on ne pense pas forcément. Quand je suis arrivée dans mon appart en mars, justement, on était le 1er mars, il faisait 32 degrés dans mon appartement. Les baies vitrées grandes ouvertes, les habitations, etc. sont assez vieillissantes. Tout est au chauffage gaz collectif. Donc en fait, personne ne se responsabilise forcément puisqu'on paye tous un tantième de ce qu'on consomme. Peut-être pousser les copropriétés à faire de la rénovation énergétique. Bah, je vais prendre l'exemple de mon immeuble. Les murs ne sont pas solides. Il y a littéralement des fuites d'air tous les 2 cm. Essayer de construire plus durable. Donc arrêtez d'utiliser, par exemple, du bas de gamme. Pour moi, l'écologie,
Bah, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresserait? Enfin, mes priorités, c'est manger, boire. Et tant que c'est bon, je m'en fiche. Parce que, bon, que ça vienne du Chili, si je peux manger quelque chose de bon, pas cher, et quelque chose de bon, cher, bah, je mangerai la chose bon, pas cher. Personnellement, je me sens pas vraiment concerné. Je suis pas écolo, en fait. Je balance mon mégot dans la rue. Le réchauffement climatique, etc., on le ressent, mais faut que ça arrive une catastrophe pour justement réagir. Tu sais, il y a une image qui m'a choqué, je t'en avais parlé l'autre fois, c'était les ours sur la banquise. Il a plus rien à manger, il est tout maigre et puis il se noie, en fait. Là, ouais, ça me touche. Faut vraiment qu'il y ait une image qui me percute. Bah, moi, je fais déjà des petits trucs à mon niveau, hein. Je suis cariste, hein, mais je suis filière à couturière de base. Et je fais mes propres éponges, la lessive pareil, je me la fais moi-même. Donc, c'est des petites recette toute simple à faire. Enfin, voilà, sensibiliser sur ça, déjà juste des petits gestes. Pendant le confinement, notamment, j'avais entrepris de faire. Enfin, je faisais mon pain, je faisais mes yaourts, tout ça. Ben, c'est bien quand on n'a pas à aller travailler, quoi. Enfin, si on bosse à plein temps, qu'on a les enfants à gérer, tout ça, le soir, eh ben, on sort du congélo le plat tout préparé avec la barquette qu'on va jeter à la poubelle. Et la planète, on s'en occupera à un autre moment. Quand on regarde les prix d'un vêtement écologique aujourd'hui, c'est très compliqué de s'en payer. C'est... Après, comment vous voulez que notre planète elle change, que tout le monde change leurs habitudes, si on voit ces prix-là? Au quotidien, je pense que tout le monde pourrait faire l'effort, en tout cas... de faire vivre le tissu local, quoi. Dans la tête des gens, le bio c'est cher, le local c'est cher, donc je vais au supermarché. Mais c'est pas vrai, en fait, quoi. Moi-même, je ne vais jamais en grande surface. Je gagne un petit peu plus que le SMIC, mais pas tant plus que ça, quoi. Quand on a encore un office de tourisme qui balance des pubs sur Instagram et je sais pas où, pour dire venez sur le bord du lac, on n'en a pas besoin. Il y a un tourisme local qui est déjà massif. Les High Five Festival, les Mathieu Fourcade, machin, ça génère énormément de monde. Alors peut-être que c'est super fun, mais moi, ça me fait chier. Je le dis avec une. On veut supprimer les sports d'hiver. On veut tous protéger, mais il faut quand même être raisonnable quand même. Non, c'est la vie économique de la ville. Alors moi, aussi. Il y a le problème qu'on achète des produits parce qu'on ne les produit plus en France. Si on mettait une taxe au kilomètre, peut-être que ça éviterait aux entreprises d'aller dans des pays exotiques. Et aussi, le Grand Annecy a un rôle à jouer, je pense, dans l'installation des entreprises. On se concentre beaucoup sur la réduction un peu de notre empreinte carbone, réduction de notre perte de biodiversité, mais on n'est que sur la réduction et on ne met pas en place des actions pour aller sur le côté régénérer la biodiversité, régénérer notre air, régénérer nos sols, par exemple aussi. L'industrie aujourd'hui, elle est vue comme quelque chose d'impactant pour la nature. Une industrie qui régénère tous ces éléments-là, là, ça donnerait de l'inspiration. Par rapport aux voitures électriques, donc, le souci, c'est que pour tout ce qui est recharge, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous fait? Ça va nous augmenter du coup notre facture d'électricité. Donc du coup, au niveau économique, ça ne va pas trop nous arranger. Donc après... disons que de 1, ça va nous coûter encore plus cher aussi pour l'achat du véhicule électrique. Après, le problème sur tout ce qui est véhicule électrique, ça va être au niveau du recyclage. Donc là, en fait, on fait encore une bêtise, quoi. C'est ça le problème. Le marché d'Albi, il est implanté sur une place qui a été entièrement bétonnée, dans des couleurs hyper foncées. Donc je ne suis pas sûr qu'au niveau du sens de cette action, ce que ça peut, ce que ça peut proposer. Et je pense que c'est ça qui est en train de nous désespérer peut-être. C'est qu'effectivement, on voit trop de contradictions dans les décisions qui sont prises. Et en plus, on sait pourquoi ces contradictions sont là. Donc moi, ce que j'attends de mes élus, même si ça ne sera pas tous des spécialistes, c'est que peut-être on soit un peu plus engagé en réfléchissant au sens et pas à répondre dans l'immédiateté et puis partiellement. J'ai vu sur un grand terrain qui est en travaux actuellement, où il y avait des anciennes douanes, je crois, de la chambre de commerce. Et j'ai entendu parler que c'était un méga centre commercial qui allait s'ouvrir. On se dit, mais comment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut encore autoriser des centres commerciaux à s'implanter? Et ça, c'est typiquement du ressort des élus. C'est pas nous, à notre niveau, qui pouvons faire en sorte que ça change. Je suis quand même assez impressionné par toutes les initiatives qui sont déjà en place. Il y a déjà pas mal de choses sur la réduction des énergies, sur les programmes de mobilité. Il y a des mesures qui sont prises qui, moi, me surprennent. J'ai pas l'impression d'avoir été consulté, donc ça me frustre. Ce qui a été bien, ce que j'ai vu, c'est qu'on demande l'avis aux gens, et pas que du centre-ville d'Annecy. C'est la périphérie aussi. C'est important de demander l'avis en globalité, pas que
à une certaine classe sociale aussi. Maintenant, il faudra en prendre compte, c'est-à-dire agir en fonction de ça. Être accompagné par la mairie, mais pas que ce soit uniquement l'initiative de la mairie. L'initiative citoyenne, c'est quelque chose qui part d'une neutralité, c'est-à-dire qu'on a le choix d'y aller ou pas. Proposer un modèle qui est enviable, qui donne envie aux gens d'y aller et qui n'est pas juste contraignant. Il faut que ça devienne un plaisir d'aller vers ce changement-là et d'aller vers ces actions-là, et pas uniquement de dire bah, « on m'a dit de le faire parce qu'apparemment je vais sauver la planète en faisant ça, et je vais avoir les orang-outans qui vont pouvoir vivre dans les forêts à l'autre biome. » C'est pas ça qui va me changer, moi, dans ma vie du quotidien. Je m'imagine poser la question à des étudiants. Je leur pose la question concernant la préservation des ressources en eau. Voulez-vous subventionner les dispositifs de réutilisation et de récupération? Ils vont me regarder avec des grands yeux, ils vont me dire « mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Il y a des questions, pour moi, c'est des questions d'experts. En fait, est-ce que vraiment c'est là-dessus qu'il faut qu'on consulte le citoyen? C'est parce qu'il y a des questions en fait, où on n'a pas la connaissance pour répondre. Dans les différentes réponses, on a une sensation d'une ville statique. Il faut laisser modèle, mais aussi introduire le concept de moderne. Qu'est-ce que vous mettez derrière moderne ? Une ville qui sera dans l'air du temps, plus mobile, plus écologique, plus connectée. Sensibiliser les personnes à qui on va le présenter pour leur dire tout de suite, oui, il y a certaines questions qui sont un peu longues, mais si on veut aller en profondeur, si on veut pouvoir vraiment expliquer votre ressenti, etc., enfin, il faut en passer par là. Je vais devenir consultatrice.